Je m'appelle Herman pour ceux qui ne le savent pas encore. Elle, c'est maman Sabine, ma mère. Nous avons quitté le village après le décès tragique de mon père. Une fois installée en ville, ma mère n'ayant pas les diplômes nécessaires pour postuler pour un travail bien rémunéré, on s'est alors lancé dans la vente de beignets haricots bouillis, communément appelés BHB. C'est dans cette débrouillardise et avec beaucoup de prêts dans ces différentes tontines que ma mère va assurer mes études jusqu'en cycle licence. Bref, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour partager avec nous notre histoire. Généralement, je file toujours un coup de main à maman avant de me rendre au campus. Question de lui alléger la tâche. Maman, tu pars déjà. D'accord. Maman, la dernière tranche là, on fait comment alors? Hey, laisse-moi oublier de dire ça hier quand je suis rentrée. Pardon, maman. J'ai trouvé l'argent à la réunion là. Pardon, mais pas qu'on parle, c'est perdu. Est-ce que tu es un enfant? Mais je dis seulement. Est-ce que j'ai souvent l'argent? Je garde ton argent, non? D'accord. Je pars une fois à la caisse payée. Okay. Bon, maman, moi je peux. Tu vas aller en route. Oui, j'irai en route. Pour ta licence, tu vas faire quoi? Ça se passe comment? Bon, maman, pour te dire vrai. Pardon, Nico me prend trop d'argent. Et trop les prêts à cause de ton école. Tu fais quoi? Je compte. Je compte faire une demande d'admission dans une université étrangère. Donc, même, même au Canada, même en Allemagne, je ne sais pas. Pas ici, c'est difficile d'avoir le travail comme ça. Mais là-bas, même si je veux continuer en master, je peux travailler quand même en de fréquenter. Le problème, c'est l'argent. Et tu sais que ton oncle, on ne peut même pas compter sur lui. Il n'a jamais cherché à savoir ce que tu manges. En tout cas, j'ai compris. Vas-y. Tu sais quand même, bon, je peux demander une bourse normale. Si c'est la bourse, si j'obtiens une bourse, je peux fréquenter. Sans problème. Vas-y, on en parle. D'accord. Tu passes une bonne journée. Bye bye. D'accord. Tu passes une bonne journée. Bonne journée. Alors, mon frère, man. Je suis fatigué. Toi, tu cours. Mais pas te voir l'encadré. Je voulais modifier mon rapport. Par rapport comme il est venu ça l'autre jour. Tu as volé ton rapport. Je l'ai fini, non. Gars, pardon. Comme tu cours voir l'encadré, là, dépose ma panne. Mais il m'a dit que non. Autant tu parles de ton rapport. Il faut que je bague bande à venir ma mère. Il faut que je lève, s'il te plaît. Tu déposes le rapport. Et maintenant, on va prendre à quelle heure maintenant? On va prendre que la nuit finit le matin. On commence même à 23h pour boire le matin. Attends, il dit bon. Et quand tu vas finir avec ton école, tu vas me faire comment? Il m'a dit après d'aller savoir, tu vas me faire comment? La question de Joël, celle de ma mère et toute autre que je me posais était vraiment pertinente, mais j'avais aucun élément de réponse à apporter car j'étais vraiment perplexe. On a pratiquement pas vendu mon chien. Faut que Pato me balade avec Pato. Laisse pas normalement. Laisse pas aller me balader. Tu sais que Dan peut marcher aussi, non? Bon, je range à l'autre endroit à l'école. D'accord. Ok, vas-y. Après ma licence, j'ai finalement obtenu une bourse d'études au Canada. Ma! C'est quoi? Ça fait peur. Danse d'abord, ma. Danse. Danse quoi? Danse, non, ma, ouais. Moi, je vends les beignets, je suis pas danseuse. Ma, danse d'abord, ouais, danse. Danse d'abord, je vais t'expliquer, danse. Danse, ma! Danse. Danse, ma, ouais, danse bien, non? Ça va, non, ouais, dis-moi. Je suis trop fier, ma. Tu veux prendre l'avion? Prends l'avion, comment? Ma, j'ai eu la bourse, là, non? J'ai la bourse, j'ai eu étudié au Canada. Yeah! Il y a que je pars au Canada. Et tu jures.
payé la bourse. J'étais au campus, non. On a appelé mon encadreur. Il n'y a personne, non, moi. Donc, maintenant, c'est là. Ce que je vais faire, je vais seulement commencer la procédure de demande de visa. Oui, je vais prendre l'argent. Bon, j'ai gagné un peu d'argent. Ne te fâche pas, ma. J'ai gagné un peu d'argent sur un ISBET. J'ai joué avec le code promo authentique 237. C'est un ami qui m'a donné. J'ai eu 200% de bonus sur mon premier dépôt. C'est ça qui m'a donné un peu d'argent. Je ne veux pas que tu fasses que j'avais l'argent depuis, je ne t'ai pas dit. Donc, pardon. C'est avec ça qu'il va commencer la procédure. Mais pense qu'on a fait. Il faut qu'on parte au village, voir ton oncle. C'est vrai, même si c'est commencé, lui, ton père, tu ne peux pas partir sans qu'il ne sache. Il doit t'amener chez les ancêtres. On ne peut rien faire sans eux. Tu dois partir d'un pays étranger. Tu dois avoir toutes les bénédictions possibles. Tu comprends? Ah, moi, je vois comment parler. Ouais, il faut qu'on parte, Eman. Attends, mon cas, je vais finir le visa normal. Non, il faut qu'on parte. J'ai compris, moi. Ah. Eman. C'est vrai, il y a un problème. Quand vous venez ici, c'est pour quelque chose. Parce que depuis que ton mari est mort, mon frère, tu ne peux passer ici, au village. Eman ne m'appelle même pas. Tu crois que tu as encore un enfant? Toi, tu penses qu'il vit comment depuis que son père est décédé? En tout cas, nous ne sommes pas là pour ça. Comme je t'ai dit au téléphone, ton fils va voyager demain pour aller au Canada. Mm-hmm. Comme tu es le chef de famille, je voulais que tu puisses le bénir. Bon, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Il faut penser à la tête de ses anciens. Oui, il a eu la licence. On lui a donné une bourse pour le Canada. Mm. Non, tu pars au Canada. Tu pars quand? C'est demain, pas. Le voyage, c'est demain. Donc, tu pars au Canada demain? Tu as eu la bourse, au lieu de dire à mes enfants qui sont aussi dans le parti avec toi aussi, tu pars seul. C'est comme ça qu'on vit chez vous. C'est une bourse universitaire, ma. Maman, t'as dit à ceux qui fréquentent, non. Comme tu parles là, c'est ce que tu as tes frères que tu vas amener. Je sais non pas. Et tu arrives là-bas, chez le pays des Blancs là, tu deviens très sage. Tu ne marches pas avec les inconnus. Tu comprends? Tu ne marches pas avec les inconnus là-bas. Ma, tu vois, non. Va m'amener mes choses pour la tradition là, tu viens. Quand on travaille. Pas. Ta femme, c'est mon combat. Non, ça va. Tu as apporté la poudre de Jésus. Oui, ça va. C'est pour la jubilation. Merci, ma copine. Voilà. C'est mon papa. Sois les bienvenus. Merci, papa. Que les ancêtres ouvrent ta porte. Que tout ce que tu fais, ça marche. Que si quelqu'un parle mal de toi, ça retourne sur lui. Amen. Amen. Okay. Tiens. Tu vas entrer dans la chambre des ancêtres là-bas. En attendant que je vienne. Tu parles ce que tu vas parler. Tu dis tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux aux ancêtres. Tu déposes là-bas, tu mets la poule sur ta tête. Tu parles, ça va se voler. Ça va voler seul à ce moment venu. D'accord, pas. Vas-y. Vas-y. Il accompagne. Non, laisse-y faire. Nous, on va parler. Maman. Quoi, maman? Tu t'es qu'il partait prendre ton passeport. Qui t'a demandé de sortir? Ouais. On part, non? Qui t'a demandé de sortir? Oh, arrête. On part, ouais. Non, toi, tu l'as passé par quoi? Pourquoi tu es même bien habillé comme ça? Il fallait partir comme si tu étais envoyé vendre des arachides. C'est quoi comme ça? Je voyage, non, maman. Pourquoi tu vas attirer l'attention sur toi? Ouais, on part, non, maman. Non, on part où? Il fallait changer ton habit. Non. Donne-moi ton sac. Tu passes pas comme ça, toi, tu passes comme ça. Ouais, maman, tu fais seulement comme si tout. On ne sait pas où je pars, ouais. Ne pas. Donne d'abord. Aïe, 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 aïe. C'est quoi? C'est Léo qui va te couver ici. Maman, ne me fais pas les choses comme ça, pardon. Ne me fais pas les choses comme ça, pardon. Ne me fais pas les choses comme ça, pardon. Il a réussi pour aller où? Pique encore. Ne me fais comme ça. C'est quoi, il réussit quand mes enfants ne sont rien. Speak. Cela ne se peut pas, même s'il a prêté une dizaine. Ne me fais pas les choses comme ça, papa. Pardon. Viens, les saucisses, nous prions. Ne me fais pas les choses comme ça, pardon. Pardon, papa. Pardon. Pardon, papa, pardon, mon enfant, pardon. Pardon.
Tani, Tani, tu as pris mon enfant, Tani, Tani. Voilà mon enfant, il est parti. Pardon, Emma. Pardon, Emma, tu sais que tu as tout ce que j'ai. Tu as tout ce que j'ai. Pardon, lève ton pas. Lève ton pas, tout mon argent. Tout mon argent, Emma, pardon. Pardon, papa. Je vais tout te donner ce que tu veux. Pardon, je vais tout te donner. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. J'espère que vous avez compris à travers cette vidéo que certaines de nos victoires méritent d'être fêtées en silence, car nombre de nos proches sont très vicieux. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et surtout partagez. N'oubliez pas de vous inscrire sur Unisbet en utilisant mon code promo Authentique 237 et bénéficiez jusqu'à 200% de bonus sur votre premier dépôt.